Domination. Hey, what's up tout le monde, c'est Mortel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais voilà, je suis de retour. J'espère que je vais pouvoir sortir pas mal de vidéos, sachant que en ce moment je joue pas énormément à Call of, mais surtout à LOL. Donc un petit peu, bah, comme beaucoup de gens on va dire, parce que Ghost, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas trop mon truc on va dire. Donc voilà, simplement pourquoi je faisais pas trop de vidéos, j'avais un petit peu la flemme, j'avais pas mal de trucs de prévu entre les cours, les vacances, et puis quand je jouais à LOL, bah, je pouvais pas faire de vidéos en même temps, parce que mon ordi n'est pas assez puissant ni quoi que ce soit, du coup c'est pour ça que j'ai pas sorti énormément de vidéos. Donc je reviens avec un petit gameplay, on va dire un petit peu old school, étant donné que je suis sur MW2. Donc déjà pourquoi je suis revenu sur MW2, bah je sais pas, peut-être parce que je suis un petit peu paumé, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vais faire une petite nuque sur MW2, donc j'espère que vous apprécierez le gameplay, même si je suis pas trop là pour en parler. Donc au passage, je vais quand même vous montrer ma classe, donc hop, je la mets sur le côté, vous pouvez la voir, donc FAMAS avec l'espace 12, un petit peu la classe basique on va dire. Un truc qui est bien un bon ravage. Donc voilà la classe que j'utilisais. Donc sinon je voulais parler de ce qui va, de ce qui se passe en ce moment. Donc au niveau, en ce moment il y a le code XP pour ceux qui savent pas. Donc c'est le code Championship. Donc comment je fais la vidéo, il n'y a toujours pas eu, le code XP n'est pas fini. Donc on sait toujours pas quel est le meilleur roster au monde on va dire. Mais pour l'instant on a quand même pas mal de petites infos, comme le fait que malheureusement les Vitality ont été éliminés. Donc je vais vous dire à peu près ce qui s'est passé. Donc alors il faut déjà, bon, pour ceux qui sont pas au courant, il y a deux rosters dans la Vitality. Donc il y a les Vitality Rise, c'est le roster avec Samir, Gotaga, donc Samir alias Diablo the Tank ou Blue, Gotha, Carnage, et le quatrième, j'ai un gros trou de mémoire, c'est qui, merde, et Broken, voilà, excusez-moi. Donc eux ils ont perdu contre les SB. Ils ont fait un top 9-12, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir, je me suis un petit peu perdu. Ils ont fait un top 9-12, donc ça reste pas mal, sachant que c'est un tournoi très très dur, mais bon, c'est dommage qu'ils soient pas dans la monnaie, malheureusement. Ça aurait pu aider la structure et tout, d'avoir de gagner un peu de thunes, normal. Et donc, sinon, on va parler maintenant des returns. Les returns, donc dedans, il y avait un pick-up, il y avait Dilux qui était en pick-up, parce qu'il y avait un joueur qui ne pouvait pas venir à cause de problèmes de papier d'identité, qui n'avait pas pu faire les qualifications. Donc Dilux le remplaçait. Donc sinon dans le roster il y a Azox, Agony et Getsum. Ouais, donc c'était, je crois que c'était Devisa si je me trompe pas. Devisa qui devait être dans le roster de base pour le code XP, ou je sais plus. Ça je suis vraiment, honnêtement je me rappelle plus trop, donc je suis pas sûr. Voilà. Donc voilà pour ce qui est niveau FR pour le code champ simplement. Donc bon, on n'a pas fait un top de ouf malheureusement, mais au moins on aura fait un meilleur top que les Epsilon. Donc déjà c'est déjà quelque chose de bien, parce que Epsilon c'est quand même le meilleur roster européen, donc, pour ceux qui ne le savent pas au cas où. Donc voilà ce qui se passe après au niveau du code champ. Donc je reparlerai sûrement du code champ sur une prochaine vidéo excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas commenté, du coup j'ai un petit peu de mal. Donc je ferai prochainement une autre vidéo où je parlerai du roster gagnant et tout. Donc voilà, à savoir qu'il va bientôt y avoir, en prochaine vidéo, il va y avoir mon montage qui va enfin sortir. Donc j'ai enfin trouvé un éditeur, je suis re-rentré dans SNC, parce que c'était... SNC c'est ma team Snipe, mais bon, qui s'était dissoute. Et puis elle a été recréée, on va dire, elle a été reprise. Du coup, bah, je suis re-dedans, et puis donc là j'espère que... qu'on va faire quelque chose de bien simplement. Donc là j'attends que l'éditeur finisse d'éditer le teamtage de la team, et ensuite il m'édite tout de suite après. Donc voilà un petit peu au niveau des infos de ma chaîne. Et puis après sinon en autre vidéo je sais pas trop ce qui va arriver. Donc bon, on verra, j'ai pas trop prévu forcément de trucs à part le montage. Donc voilà ce que je voulais vous parler, et maintenant je vais parler un petit peu d'Xbox One, un peu la next gen. Donc déjà je pense que je vais passer sur Xbox One. Déjà pour Xbox One, tout simplement parce que la compétition est sur Xbox One et n'est pas sur PS4. Donc voilà, ça va pas vraiment plus loin au niveau des arguments. Et puis j'ai aussi quand même envie de jouer à Titanfall, et Titanfall c'est pas sur PS4 malheureusement. Donc voilà, je passerai sur Xbox One. Au passage, vous pouvez voir que je suis descendu de mon mitrailleur là. Là il me restait plus que 4 ou 5 frags à faire pour avoir la nuque sur le gameplay.
tout cas c'était vraiment super chaud, surtout qu'il y a énormément de monde qui vont se mettre à me rusher. Je vais même prendre des balles de sniper en hitmarker. Bon, ça va vraiment être chaud. Voilà, donc pour en revenir avec la Xbox One, donc du coup bah, dès que je serai sur Xbox One, c'est-à-dire d'ici peut-être 2 mois ou moins, quelque chose comme ça, je sais pas trop honnêtement. Sachant qu'apparemment dans un bon mois, il devrait y avoir la seconde génération d'Xbox One qui va sortir. Donc je pense que je prendrai cette génération-là. Étant donné que généralement pour les premières générations, excusez-moi, il y a souvent des bugs et tout, vu que le modèle n'est pas encore réellement testé. Et généralement tous les bugs sont corrigés dans la deuxième génération. Donc voilà pourquoi je prendrai la deuxième génération, et puis normalement elle sera aussi également moins chère. Alors bon, après ça c'est... on n'est pas trop sûr de tout ça, donc on va voir tout simplement. Donc sinon en jeu, je pense que je vais vraiment reprendre le Deserto vraiment à fond sur Xbox One, et puis je vais également jouer à Titanfall, et puis je sortirai des vidéos sur d'autres jeux tels que Assassin's Creed. Donc ouais, j'espère que vous allez rester fidèle à ma chaîne, on va dire que vous verrez ces vidéos là, et puis une fois que j'aurai l'Xbox One et un nouveau game capture HD, on va dire. Je sais pas ce que je vais prendre, encore un Elgato ou un Avermedia, quelque chose comme ça. Je vais vraiment sortir énormément de vidéos, et puis toujours des vidéos de travail. Je vais éviter de sortir des vidéos assez simples, on va dire. Sauf quand j'aurai pas forcément le choix, bien sûr. Mais si je sors pas beaucoup de vidéos, c'est parce que j'ai vraiment envie de sortir des vidéos de travail, pas des vieux trucs basiques. Donc c'est pour ça que ça réduit un petit peu le nombre de vidéos, surtout que ça me prend plus de temps également. Donc il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Donc voilà, donc là je vais reparler du gameplay, le gameplay touche à sa fin. Donc là je sais plus vraiment combien de trucs je vais être. Là je sais que ça va être très chaud par contre. Donc là je sais plus du tout à combien j'étais. Je crois que j'ai pris une balle de sniper en hitmarker. Hein. Là je dois être à 1 ou 2 frags. Allez, je crois que c'est. Donc là, ouh là j'ai vraiment eu énormément de chat pour avoir. Là il me manque plus que un frag. Plus que un frag je crois pour avoir la bombe nucléaire. Ouais, plus qu'un frag j'ai vu avec le select. Après ça va vraiment être super chaud, donc je vais juste regarder. Je vais pas l'avoir tout de suite hein. Là, honnêtement je prenais vraiment pas de risque hein, même si désolé c'est un petit peu long le fait que je joue vraiment safe. Oula, la balle de sniper qui passe. Attention. Je savais qu'il y a un mec qui allait, hop, je débloque la bombe nucléaire, donc j'ai vraiment eu énormément de chance sur la fin, donc vraiment j'ai pas pris de risque. Donc j'espère que vous aurez apprécié le gameplay, vu que je suis pas mort une seule fois de la game, sauf si on compte le kill de la bombe nucléaire qui m'a tué à la fin. Donc j'espère que vous serez présents sur mes prochaines vidéos, et puis n'hésitez pas à regarder mes dernières vidéos qui vont être disponibles dans 2 secondes, vous avez juste à cliquer dessus. Donc voilà les gens, à plus.